ce soir, j'irais bien manger au 7e ciel, tiens. Qu'est-ce que tu fais? Tu viens à l'intérieur? Salut, vous deux. Bonjour. Vous promeniez? Ouais, en quelque sorte. Bon, rassemblement au sous-sol. Ah bon, déjà? Alors, la prochaine opération... Marlène, tu vas attendre Jessie devant l'entrée. Oui. Tu sais ce que ça veut dire. On part en mission demain. Faut qu'on aille en discuter. Et ma récompense? On n'en a pas encore parlé. J'ai pas le temps maintenant. Alors tu vas attendre qu'on ait fini notre réunion. Tifa, on a du boulot. Désolée. Tu vas devoir encore patienter. Pour m'excuser... Prends un tabouret. Qu'est-ce que je vous sers? Un truc fort. J'en ai besoin. Alors, la plupart de mes clients me font des compliments. Et c'est bien mérité. Ah, vous êtes connaisseur. Je savais que ça vous plairait. Je vous propose ensuite... notre spécialité, le cocktail Cosmo Canyon. Magnifique. Faut que j'y aille. Fais comme chez toi. On est des stars. Les infos parlent de nos exploits, même s'ils nous dénigrent. Avalanche serait l'ennemi du peuple pour avoir détruit le réacteur. Sacrée poussée d'adrénaline. Ils n'ont pas révélé nos visages, donc on est en sécurité ici, mais on n'a pas de temps à perdre. Au fait, tu viens à la prochaine mission? Peut-être, si on me paye bien. Ouais, t'inquiète, je vais négocier ça pour toi. Oh. Tifa doit nous accompagner pour cette mission, mais j'avoue qu'elle n'a pas l'air d'approuver nos méthodes. Elle n'est pas d'accord pour utiliser des bombes, elle pourrait hésiter et... On se retrouve souvent en situation de vie ou de mort. Quand c'est comme ça... C'est mieux de se savoir soutenu par quelqu'un d'efficace comme toi. Comment je vais pouvoir m'occuper? Thank you.
était vraiment bizarre. Je vais attendre patiemment. La nouvelle mission n'a pas l'air de te plaire. Je sais qu'on n'arrivera à rien si on ne change pas nos méthodes. J'en suis tout à fait consciente. Mais quand même, je me sens perdue. Si t'es pas sûre de toi, mieux vaut t'abstenir. Bon, ben c'est fini. T'étais partie avant la fin, c'est ça? On s'est disputé. Bon, sinon, tu veux autre chose? Tifa, qu'est-ce que t'attends? On fait ça, alors mets les petits plats dans les grands. On se passera de toi pour la prochaine opération. À ta place, j'irai chercher un autre boulot. C'est justement ce que je comptais faire. Tant que j'ai pas de contrat, rien ne m'oblige à vous aider. Je me doutais que tu dirais ça. Tiens, c'est le reste de ta paye. Et j'ai même ajouté un petit bonus. Donc voilà, t'es libre de tout engagement. Bon, désolé, mais tu peux pas rester. Je préfère célébrer en privé. Je me suis un peu avancée, désolée. On a débattu à ton sujet et... Comment dire? On a pensé qu'on comptait un peu trop sur toi, alors que t'es pas concernée. Jessie, on t'attend. J'arrive tout de suite. Pardon, il faut que j'y aille. T'inquiète pas. Ça t'embête pas si on discute après la fête? T'en fais pas, je te dis. Jessie! T'abuses trop, là, sérieux! Ben, à plus tard. Ça va, y a pas le feu. Santé! Ça fait du bien par où ça passe. Doucement, Biggs, on va pas te voler ton verre. Buvez pas trop. L'opération de demain est capitale. Justement, faut en profiter ce soir. C'est qui ces types? Des gens m'ont dit l'avoir vu dans les environs. Si vous attendez, vous le trouverez forcément. Eh ben, c'est pas pour me plaindre, mais notre boss est franchement pas tendre avec nous. Ouais, mais il y a aussi des avantages à travailler pour lui. Hein? Qu'est-ce que tu regardes, toi, là? Dis-moi,
T'es du quartier, toi? Plus ou moins. Tu connais pas un grand gaillard qui a une arme à la place du bras droit? Son repère serait par ici, d'après ce qu'on dit. Ouais, peut-être. Toi, t'as du nez. T'as senti que tu pourrais te faire un peu d'argent. 500, ça te va? Je dis 200. 300 ou rien. D'accord. T'as intérêt à nous dire tout ce que tu sais. Viens par là. T'as un problème, toi? Baisse les yeux! Je m'inquiète pas pour lui. C'est peut-être ses potes. Qu'est-ce qu'il y a? Dégage! T'es dans le passage! Désolé. Pourquoi une fixe comme ça, Rien à voir avec Wall Market, hein? Fais gaffe à ce que... Lui, c'est un dur. Vaut mieux éviter de lui chercher des noises. Après, si tu veux mourir jeune, c'est pas moi qui essaierai de t'en empêcher, ça c'est sûr. Vas-y, passe devant. T'inquiète pas, je suis pas du genre à attaquer les gens par derrière. Alors, il est où le gars qu'on cherche? Tu le sais ou tu le sais pas? Comme je te l'ai dit tout à l'heure, moi, peut-être. Assez joué! Tu nous fais perdre notre temps! Ça sent la Shinra, tout ça. On travaille pour une personne que même la Shinra respecte. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Adieu. Je suis complètement crié. C'est l'homme au bras canon qui t'intéresse, c'est ça? Non. En fait... Pourquoi tu le cherches? Je fais qu'obéir à un ordre, moi. Je sais absolument rien. Je t'en prie, ne fais pas de mal. Tiens! Ça va te calmer. Shinra cherche Barrett. C'est pas mon problème. Je vais suivre la première règle du bidonville. Et rentrer me reposer. Il traînait parfois dans le... Merci d'avoir aidé mon ami. Grâce aux fameux mercenaires, nos articles sont encore plus variés. N'hésitez donc pas à venir les voir. C'est ça, notre sélection d'articles est plus fournie que jamais. Nous avons tout ce dont vous avez besoin. Oh, les gens vont peut-être se dire... Mon mari est reparti faire un tour à la gare. C'est toi le fameux mercenaire dont tout le monde parle. J'en reviens pas qu'il ait éliminé ses rats. Les filles du coin vont souvent voir Marc. Cloud, je compte sur vous pour toujours m'aider à avancer dans mes recherches. J'espère que vous continuerez de m'aider en récoltant les données des rapports de combat. On compte sur toi. Alors, monsieur mercenaire. Il paraît que c'est toi qui nous a débarrassé de ces rangs. Des hommes forts. Les gens n'arrêtent pas de vanter tes services. Cloud, le meilleur mercenaire de la ville, est un bon client. Crois-moi, les armes que j'ai ici te seront bien utiles pour maintenir la paix dans tout le bidonville.
Qu'est-ce qu'il y a? C'est vrai que t'as éliminé le chien de l'armée? Des hommes forts comme toi. Le nombre de créatures éliminées du mois est là! Venez voir ça! On a le nouveau nombre de créatures éliminées! Salut, chérie! Je t'attendais! Pas le droit de rigoler? J'aimerais te parler en privé. Tu peux me laisser entrer? Bien, entrons dans le vif du sujet. Et cette fois-ci, c'est pourquoi? Pour m'excuser de ne pas avoir su convaincre Barrett. Et si c'est pas ça, qu'est-ce que c'est? Une transaction. Oui, exactement. Mais je te préviens, je te demanderai de ne surtout pas en parler aux autres. C'est une affaire strictement personnelle, et j'aimerais régler ça cette nuit. Cette nuit? Oui. J'aimerais que tu viennes avec moi. Que tu m'accompagnes jusqu'au plateau du secteur 7. Je t'expliquerai tous les détails en chemin. Moi, ça me dérange pas, mais... Et demain? T'as une mission qui t'attend. Je sais bien, mais... Si je fais pas ça maintenant, on risque d'avoir de gros problèmes. Alors, je peux considérer que tu acceptes ce marché? Disons que c'est un acompte. Vu ce qui nous attend là-haut, je pense pas qu'on sera de retour avant demain matin. Tu devrais bien te préparer avant de partir. Préviens-moi quand t'es prêt. C'est bon, t'es prêt? Prends tout ton temps. Il paraît que l'attente fait durer le plaisir. Non, je rigole. Allez, grouille-toi de te préparer.
La milice a gagné en prestige. Il y a quelques années, elle faisait rien à voir. Depuis la trêve. Cloud, je compte sur vous pour toujours m'aider à avancer dans mes recherches. J'espère que vous continuerez de m'aider en récoltant les données des rapports de combat. Je suis impressionné que t'aies réussi à vaincre ce chien de l'armée. Tu as sauvé l'honneur d'un honnête personne. C'est grâce à toi, le mercenaire le plus réputé de tout le secteur, si je reçois de plus en plus de commandes pour des épées géantes. C'est vrai que t'as éliminé le chien de l'armée? Alors, il paraît que c'est toi qui nous a débarrassé. La milice a dit qu'elle allait. C'est bon, t'es prêt? Bon, on se retrouve à la gare à la nuit tombée. Je compte sur toi. Ça paye pas trop mal. Mmh. Oh ! Pas de chance, y a plus de train ce soir. Le service a fini plus tôt que prévu. Pour vous dépanner, on a emprunté ces motos. On va pouvoir aller là-haut. Comment vous avez su ? Facile, on voyait bien que t'étais bizarre. À chaque fois qu'on discutait avec toi, t'avais l'air perdu dans tes pensées. Mais par moments, t'étais excité comme une puce. Ok, mais quand même, comment vous saviez que je comptais aller là-haut? Attendez, je réfléchissais à voix haute, c'est ça? On s'est simplement dit que tu voulais aller voir tes parents ce soir. Dans le mille, non? Je suis touché. Et je sais que c'est gonflé de notre part, mais comme nous, on n'a pas de parents, on aimerait bien que tu nous fasses un peu profiter des tiens. Et toi, tes parents? Hein? J'en ai plus. Bon, ben allez, pourquoi pas? On partagera nos peines comme une vraie famille. Ouais! Les gars! Vous avez vos nouvelles fausses cartes d'identité? Ouais, capitaine! C'est parti, en avant! Allez, mets les gars, accroche-toi! Tu m'entends? Ouais. Si je veux aller là-haut, c'est pas pour les raisons que Biggs et Wedge s'imaginent. Tu sais, j'ai repensé à l'explosion du réacteur, elle était si forte. À cause des vapeurs de Mako, c'est pas ce que tu disais? Ouais, ou plutôt c'est ce que j'espérais. Mais en fait, j'ai ma part de responsabilité. J'ai découvert que j'avais installé une charge plus forte que celle indiquée sur le plan. Donc, tu vois, il n'y a pas à chercher plus loin. Et alors? Tu comptes faire quoi? Je vais remplacer la charge de la prochaine bombe qu'on va utiliser. Seulement, comme j'arrive pas à joindre mon fournisseur habituel, je vais me servir dans un entrepôt de la Shinra. Ah ouais, carrément. C'est quasiment impossible. Sauf si tu viens avec moi. Un contrôle, prêt ? Oh.
On est passé. Ouais, mais ça va se corser maintenant. Qu'est-ce que tu veux dire? Même avec nos fausses identités, si jamais ils décidaient de lancer un scan à cette heure-ci... Les gardes nous tomberont dessus. Exactement. Sérieux? Pour de vrai? Vous en faites pas. Cloud est là. Ça ira. Dis, tu sais comment on pilote une moto? Ouais, c'est indispensable quand on est soldat. Parfait. Dans ce cas, j'espère que tu sauras nous donner une tournée. Regarde droit devant toi et ça ira. Les voilà! Et ça te fait plaisir? Mais évidemment! Tu vois, rien de mieux que quelques épreuves pour rapprocher un homme et... Ne pas trop. Cloud! Dépêche-toi! Quel pied! Ah ouais, même pas de sommation. Ah, parce que si t'avais demandé, tu te serais arrêté? Ouais, bon, bien sûr que non. Je me disais aussi. Allez, on passe en force. Il est à l'autre pouce. Oh là 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 là. Je me mets derrière pour éviter les coups, ok? Je rêve ou... Tu viens de me protéger? C'était pas volontaire. Merci. Par contre, on serait pas en train de perdre de la vitesse. T'inquiète. Incroyable! Ils arrivent par là! Oh, j'ai l'impression qu'on est coincé. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Arrête de bouger. Fire! Yeah.
voit que t'es un ancien soldat. Nous, à côté, on passe vraiment pour des amateurs. Bah, évidemment. Tu fais partie des amateurs aussi, hein. On est passé. Bien joué. On continue comme ça vers la gare? Non. Allons au garage. Notre petite escapade en amoureux est déjà finie. On était là aussi, hein. J'entends rien. C'est ça, ouais. On va pas se laisser faire. Cloud, tu t'en charges. Il faut les aider. Tu peux pas aller plus vite? Cloud, faut vraiment que tu nous aides là. C'est trop tard. On rentre avant de se retrouver au milieu des coups. Bien reçu. Hein? Qu'est-ce qu'ils font? Déjà? Mais non, rassure-toi. Je n'ai aucune raison de me retirer d'une course aussi passionnante. Allons, allons. J'ai bien l'intention de rouler jusqu'au bout. Voyons lequel de nous le tiendra le plus longtemps. Accrochez-vous bien. Et bam.
Il est grand temps de passer aux choses sérieuses. Jesse, prends le bidon. Ah là là, je dois m'arrêter là. Dommage. Très bien. La prochaine fois, on s'affrontera que toi et moi. On verra. Hé, tu m'échapperas pas. Bien joué. T'es trop balèze. C'est pas encore gagné. Planquons-nous avant l'arrivée des renforts. Sur 20, pourquoi? Ta conduite. J'ai pas besoin que tu me donnes une note. Mais avec une note pareille, y a pas de quoi faire le fier, hein? N'importe quoi. J'aurais préféré être un peu plus secoué. Et si t'étais tombé? Non mais dis donc, qu'est-ce que t'insinues? Hein? Hein? Accroche-toi comme il faut. Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Je crois que je vais pas tenir longtemps. Hein? Non, je rigole. Ah. Voilà, on est arrivé. On va laisser les motos. On va faire le reste à pied. Il faut être discret. On est en ville et il est tard. Ces lunettes me rentrent dans la peau. Ficelé comme un rôti. Arrête, j'ai déjà assez faim comme ça. Oui, je sais. On va bientôt manger. Allez, filons. Juste après cette porte, on sera en ville. Il y a un petit truc à savoir pour l'ouvrir. Bien joué, Cloud. C'est un quartier de logement de fonction. Mes parents, en fait, ils travaillent pour la Shinra. À vrai dire, c'est grâce au réacteur Mako que j'ai eu une belle enfance. Minou, Minou! Il est parti. Il a du caractère, celui-là. Ces mecs doivent être payés je sais pas combien de fois plus que moi. Regardez. J'ai beau ne rentrer à la maison que très rarement, ma mère laisse quand même toujours la lumière allumée pour moi. C'est vraiment une habitante typique du plateau. J'espère qu'on aura de la pizza, la spéciale Midgar. Sa mère est incroyable. Même quand on débarque en pleine nuit, elle nous prépare toujours quelque chose de bon. Elle adore les invités qui ont un bon coup de fourchette. Bon, on y va? Cloud, tu sais ce que t'as à faire. Pour le moment, attends près du mur, là-bas. Ouais, compris.
C'est vraiment dommage. J'aurais bien aimé que tu goûtes à la spéciale Midgar. Sauf si tu viens avec moi. Un bon mercenaire est toujours prêt à tout, non? Il faut que tu entres en douce chez moi et que tu voles un truc, d'accord? Oh. J'irai ouvrir la porte de derrière. Tu n'auras qu'à attendre mon signal. Quand la lumière s'allumera, ce sera à moi de jouer. Au travail. Une fois que tu seras à l'intérieur, fais bien attention. N'ouvre surtout pas la porte en face de toi. Il y en a une autre sur la droite, c'est là que tu dois aller. Désolée, maman, on arrive un peu tard. On parlera fort et je ferai en sorte de retenir ma mère dans le salon. C'est pas grave si tu fais un peu de bruit. Mon père sera dans la chambre, mais il te verra pas. Oh. J'aimerais que tu prennes son badge d'identification. Il faudra peut-être que tu fouilles un peu. J'aurais vraiment pas le cœur à le faire moi-même. Alors, je compte sur toi. Vous n'êtes pas sorti de l'auberge. Mon père était chargé de l'entretien d'un réacteur Mako. C'est délicieux. Ah. Je vous l'emprunte. Wedge, t'es vraiment un ogre. Faites-vous plaisir. Je me resserre. Une lettre? Papa, maman. Tout d'abord, je suis désolée de ne pas vous avoir écrit pendant si longtemps. Depuis quelque temps, je travaille au Gold Saucer. J'ai enfin réalisé mon rêve. Je suis devenue comédienne. Et ce plat, incroyable. Je vous ai causé bien des tracas. Mais je peux enfin vous inviter à venir me voir jouer dans une pièce dont je suis très fière. Princesse Jessie Raspberry. Le premier rôle ? Quel régal, cette pizza! J'ai plus rien à faire ici.
Wedge, me dis pas que t'as encore faim. C'est pas le moment de traîner ici. Et voici la fameuse spéciale Midgar. Allez-y, mangez. J'ai encore de la place. Jesse a vraiment de la chance. Ce plat incroyable. La voilà, la meilleure pizza du monde. Mission accomplie. Tu n'es pas à l'affiche en ce moment, n'est-ce pas? Tu tiens à rester au Gold Saucer malgré tout? Jesse est vraiment indispensable, vous savez. Oui, mais tu es surtout en coulisses, non? Tu ferais mieux de rentrer à la maison. Tu sais, tu pourrais très bien postuler au théâtre du secteur 8. Ouais, ce serait pas mal. Au fait, maman, je suis désolée, mais il va falloir qu'on y aille. Ah bon? À vrai dire, on n'avait même pas prévu de passer. Mais Wedge ne peut pas résister à ta pizza. C'était délicieux. Ne me dis pas que tu n'as plus faim. En fait, je pourrais en avaler deux de plus. Hey, Wedge! Mais moi, c'est pour vous que je fais ça. Vous savez bien que je suis bon à rien quand j'ai l'estomac dans les talons. Je veux remplacer la charge de la prochaine bombe qu'on va utiliser. Comme j'arrive pas à joindre mon fournisseur habituel, je vais me servir dans un entrepôt de la Shinra. Désolée. C'est ce que tu voulais. Oh. Passons aux choses sérieuses. On peut s'infiltrer dans l'entrepôt de l'annexe 7-6 avec ça. Bon, on y va. Désolée, mais j'y vais sans vous. Je sais très bien où trouver ce que je suis venue chercher. Et il vaut mieux que j'y aille toute seule. Et nous, alors? On est venu ici que pour la pizza ou quoi? Tu t'imagines que c'est gratuit? Vous allez assister Cloud, ça vous fera digérer. C'est simple. Vous ferez comme tout à l'heure quand on a détourné l'attention de ma mère. Comment on dit déjà? J'ai oublié, une... Une diversion. Ah oui, voilà. Dans le mille, soldat. Hein? Alors cette fois, on va manger des pizzas avec les gardes de la Shinra? Ah... On va faire de l'exercice, gros bêta. Pendant que tu fouilles à l'intérieur,
On s'arrange pour attirer l'attention des gardes, c'est ça? C'est ça. Toi, au moins, tu suis. Quand vous verrez une fusée éclairante, foncez tous ensemble vers la place devant l'entrepôt. Le but est de foutre le bordel pour occuper les gardes autant que vous pourrez. On n'y arriverait jamais sans l'aide d'un ancien soldat. Il te faudrait combien de temps? Si je me débrouille bien, pas énormément. Quand j'aurai fini, je vous le signalerai avec une autre fusée. On se retrouvera dans un coin discret. Une minute. Comment on va faire pour rentrer? On va attendre le premier train? Tu rêves. Il faut être de retour avant le matin. Mais j'ai trouvé un bon moyen, vous en faites pas. Allez, à tout à l'heure. Bon, bah, je crois qu'on a une diversion à faire. T'as vu le père de Jesse, je suppose? Oui. Intoxication à la Mako. Jesse donnait un spectacle au Cold Saucer. Mais bon, ça doit pas t'intéresser. Si? Vas-y, dis-moi. C'était le rêve de Jesse de devenir comédienne. Elle a travaillé très dur pour ça, jusqu'à enfin obtenir un premier rôle. Ses parents étaient fous de joie. Malheureusement, juste avant la grande première... Son père a fait un malaise au travail. Surmenage. Et il s'est effondré au mauvais endroit, juste à côté du réservoir de Mako. Il est resté là presque une journée. Quand on l'a trouvé, il était dans cet état, et il n'a pas évolué. C'est alors que Jesse a rencontré la planétologie, ainsi que la branche principale d'Avalanche. Et voilà où elle en est maintenant. Jesse est convaincue d'un truc. Elle est persuadée que la conscience de son père erre toujours dans le flux vital de la planète. C'est pour ça qu'elle veut arrêter les réacteurs au plus vite. Sinon, la vie de son père risque de disparaître. Et ça te fait rire? Au contraire, son histoire me parle. Plus qu'un combat pour la planète. Ah, je comprends mieux. Au cœur de la Mako, il y a toutes sortes de pensées et d'espoirs. C'est pas qu'une source d'énergie qu'on peut dépenser à tort et à travers. Tu vois? Hé, surtout va pas dire à Jesse que je t'ai raconté tout ça, hein? C'est une véritable furie quand elle se met en colère. Ah bon? J'aimerais bien voir ça. Oh non, arrête! Elle va nous déchiqueter! C'est pas mon problème. L'enfoiré! Oh! C'est l'endroit dont nous a parlé Jesse! On se retrouve tous ici après l'opération! Essayons de pas nous faire repérer en attendant le signal. C'est bien calme, hein? L'entrepôt devrait être derrière le portail. Attends, où sont passés les gardes? On dirait que quelqu'un d'autre est passé ici. Jesse aurait jamais fait ça, pas vrai? J'espère que ça va pas compliquer les choses. Allons voir ça. Il n'y a personne ici. Qu'est-ce qui se passe? Là-bas, c'est la place. Les entrepôts sont au fond. Normalement, Jesse a dû faire le tour par derrière. Pour le moment, on observe. Parlons de notre stratégie. Je peux très bien y aller tout seul. Quoi? Tu veux dire qu'on est des boulets, c'est ça? Un peu de respect, s'il te plaît. On est des frères d'armes, quand même! Je veux pas être votre nounou. Si tu veux te préparer, c'est le moment ou jamais. Dis-le-moi quand t'auras fini. S'il te manque un truc, va voir au distributeur. Il y a un centre d'entraînement là-bas, apparemment. Si tu veux t'échauffer, tu sais où aller. Oh, je suis tellement stressé que mon ventre n'arrête pas de gargouiller.
Heureusement qu'il y a des distributeurs un peu partout, en cas de petite faim ou d'oubli, hein, Cloud? Alors, ça y est? Au fait, t'es prêt, t'as une matéria d'invocation avec toi, c'est ça? On va semer la pagaille en plein chez nos ennemis. Ça peut pas faire de mal de se préparer un peu. Bon, vérifions les postes de chacun. Cloud, tu vas en plein milieu de la place et tu fous un gros bordel. Nous, on fait quoi? Pour nous, soutien tactique. D'abord, on monte dans un endroit où on a une vue d'ensemble, et de là, on l'aide de notre mieux. Je suis là. Alors, tu voulais parler de quoi? En fait, je compte partir d'ici au printemps. Je vais aller à Midgar. Tous les garçons sont pareils. Ils finissent tous par quitter le village. Mais moi, je ferai pas comme les autres. Je pars pas juste pour chercher du travail. Je veux devenir un soldat. Un des meilleurs qui soit, pareil que Sephiroth. Donc tu voudrais être un héros? Déjà, devenir soldat, c'est difficile, non? Disons que ça prend du temps, je pourrais pas revenir de si tôt. Si tu te fais connaître, je te verrai peut-être dans le journal. Ouais, peut-être. Dis, promets-moi un truc. Plus tard, quand tu seras devenu très célèbre, si jamais j'ai de gros problèmes, j'aimerais que tu viennes m'aider. Hein? C'est ce que font les héros. Ils arrivent quand tout semble perdu. J'aimerais vivre ça, ne serait-ce qu'une seule fois. Allez, promets-le-moi. Bon, d'accord. Je te le promets. Mission n'a pas l'air de te plaire. Je sais qu'on n'arrivera à rien si on change pas nos méthodes. J'en suis tout à fait consciente. Mais quand même, je me sens perdue. C'est le signal de Jesse! Ah. Elle a réussi à s'infiltrer. On y va. Ouais. Ok. Je vois pas le moindre intrus. Ils sont peut-être cachés. Attendez. Là-bas! Intrus repéré! Tirez! Déjà fini? Oh! Éliminez-le! Il y a l'option! D'autres intrus ont été repérés! Nous avons des renforts! Éliminez-le! Tire dessus!
tartinait sur les moyens. Tiens bon un instant, je vais m'en occuper. Tu ferais mieux de te rendre. Ça va, ça va. Et hop là. Tu nous manqueras pas. Vas-y, essaye. Allez, encerclez-le. Adieu. C'est pas vrai. Par sécurité. Maigri. Hé, hey, le Playboy, t'as vraiment un succès monstre. J'y peux rien si j'ai un charme bestial. Et évidemment, il y a des robots là-dedans. Ça va aller? Ouais, t'inquiète. Tu peux compter sur nous. Regarde ce que j'ai trouvé. On va leur en mettre plein la vue. Bien joué. Encerclez-les.
vraiment de la merde. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites ici? On peut vraiment dire que tu sais mettre de l'ambiance, mon cher ami! On se l'était promis, pas vrai? Que la prochaine fois, on s'affronterait que toi et moi, hein? Tu as actionné mon démarreur. Et en ce moment même, mon moteur est... Agité de soubresaut à l'idée d'une nouvelle course-poursuite! Écartez-vous. D'accord. Filons. Ça fait bien des années que je n'étais pas descendu de moto comme ça. Mais bon, peu importe où je pose les pieds. Ce qui est sûr, c'est que je ne ralentis jamais! Bien! Maintenant, nous allons nous affronter d'homme à homme à l'infinité, mon... Que dirais-tu de continuer notre duel jusqu'au sur-régime? Par sécurité. Tu as rendez-vous avec mon épée! T'es satisfait? Le temps passe trop vite quand on s'amuse bien. Quoi qu'il en soit, j'ai un nouvel objectif à atteindre. Sortez-les toutes! Celui à l'épée est aussi fort qu'un soldat! Attaquez-le sans relâche! Nos chemins se croiseront forcément à nouveau. Promets-moi seulement de rester en vie jusque-là. Mon cher ami, au revoir! Baissez votre arme, on est avec vous.
Qu'est-ce que votre faction fait ici? Et vous, alors? Oh, grouille. Wedge ne craint rien. Il vaut mieux pas qu'il découvre qui tu es, par contre. Et ils sortent d'où, eux? D'Avalanche. Ça doit être eux qui sont arrivés avant nous. Une bande de conservateurs de la branche principale. En gros, du point de vue de notre propre groupe, c'est une énorme épine dans le pied. Une véritable plaie. Mais je m'égare. Et qu'est-ce qu'ils sont venus faire ici? Alors ça... Ils ont eu le culot de nous exclure en nous traitant de factions dangereuses, alors qu'ils ont eux-mêmes un armement impressionnant. Il paraît qu'ils ont formé une alliance avec le Wutai, et qu'ils ont l'intention de voler toutes les matérias de Midgar. À quoi ça va les avancer? Mystère. La guerre est terminée depuis longtemps, mais peut-être pas pour tout le monde. Oh, oh. Ça y est, mission terminée. Faut qu'on rejoigne Jesse à l'endroit prévu. Ouais. Il y en a du bazar dans le coin. La Shinra a envoyé des renforts en plus. Oh, j'ai mal au ventre. Pas besoin d'attendre Wedge? Il va s'énerver s'il se rend compte qu'on l'attend ou qu'on le cherche. Je comprends pas. C'est pas facile à saisir pour un soldat, j'imagine. Mais bon, je lui dirai que tu t'es fait du souci pour lui. Ça, bon. Bon travail. Venez par ici. Oh. Allez, mettez-vous tous en position. À vos ordres. Vous n'y êtes pas allé de main morte, on dirait. Remarque, comme ça au moins j'étais tranquille. Au fait, où est Wedge? Wedge! La flippe! On s'occupe de lui. Hé, hey, Wedge! Tu peux te lever? Allez! Pardon, j'ai rassuré. Tête est touchée. J'ai dû me prendre une balle perdue dans le derrière! Hein? Fais voir. Non mais, oh, qu'est-ce que tu fous? Oh. Wow, sacré jambon. J'ai jamais eu aussi honte. J'appelle pas ça être touché. La balle est passée tout près, alors ton pantalon a un peu cramé. Pas de quoi s'inquiéter. T'as du pot. Une petite brûlure. Ça creuse les émotions. Oh, tu ris, Cloud? Il faut y aller. Ne perdons pas de temps. À tes ordres! Comment on va faire pour rentrer au bidonville? Il y a un truc que j'avais envie de tenter depuis longtemps. N'empêche, je pensais pas qu'on tomberait sur la faction principale. C'était un hasard? Ouais, et ça ce nous arrange pas. Ce quartier est fermé pour des raisons de quand sécurité. Ils se mettent dans les civils sont priés de rester chez eux. Comme si on avait merci pas de bien vouloir retourner chez vous rapidement. Il me semble avoir entendu le mot attaque tout à l'heure. Me dites pas que c'est encore une attaque terroriste. Il s'agissait d'une fausse alerte. Ne vous inquiétez pas, je vais pas garer au la circulation est fermée. Les civils doivent rester chez eux. Désolé, nous vous les temps. Le Wutai a osé nous attaquer, pas vrai? C'est ça, c'est de la beauté, hein? Alors, ça ne fait pas l'air comme ça, mais il est survécu.
Anakin. Mais où est-ce qu'on va, là? Tu verras bien. Je vais pas te gâcher la surprise. J'ai réussi à mettre la main sur mes explosifs. Avec ça, la prochaine mission devrait se dérouler nickel. Ouais, espérons. J'espère que ton père pourra guérir rapide. Hé, chut, parle pas de ça. Quoi? Cloud disait qu'il aurait bien aimé manger de la pizza, lui aussi. Hein? Vous êtes bizarres, les gars. Pas du tout. Hein, t'avais envie de manger de la pizza? Oui. Ça, c'est moi qui me mettrai au fourneau la prochaine fois. Ce serait super. Ouais, super génial. Voilà. Mon père m'en avait parlé, mais je dois avouer que j'avais quelques doutes. Je suis soulagée de voir qu'ils sont là. Des parachutes? Hein? Tout reposer là-dessus alors que t'en étais pas sûr? Oh, ça vaut le coup de tenter quand il y a une chance sur deux. J'ai hâte de sauter. Les gars, merci pour le coup de main. J'y serais jamais arrivée sans vous. N'oubliez pas, tant qu'on n'aura pas fini la mission, Barrett et Tifa doivent rien savoir de tout ça. Je veux pas qu'ils s'inquiètent, c'est assez dur comme ça. Ouais. Allez, on s'envole! Cui-cui! Cloud, ramène Wedge chez lui. Ok. Ah, j'ai failli oublier un truc. Cloud! Mais ça va pas, non? Qu'est-ce que tu fabriques? Oh. Oh. Mais tu veux nous faire tomber ou quoi? C'est toi qui dis ça. Pour le reste de ta paye, passe me voir chez moi quand on sera rentré. Attends, je suis pas prêt. Tant pis. 30 secondes. Allez, sois un frère. Non, on n'a pas que ça à faire. Aider un peu plus. Je suis trop maladroit. T'en as fait assez. T'as failli prendre une balle pour nous. Tu peux en être fier. Ouais. Là, y a pas à dire. On assure grave. En ce moment, c'est vrai, ouais. C'est grâce à lui, tout ça. Ouais. Tant qu'on est ensemble, on est capable de tout.